d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Aider. Là-bas, il y a des marteaux pour les enfants qui viennent, pour qu'ils aient de quoi, de la verdure. Pour l'avenir. Pour l'avenir. Pour l'avenir. Voilà. Voilà. Pour l'avenir, oui, parce que nous, ouais. L'avenir, il est derrière. Voilà. Et voilà. Comme nous avons connu Très-Boisé, que les enfants et les petits-enfants. Nous, on est amis de la nature aussi. Hein. Ah oui, nous, ouais. On fait partie des amis de la nature. Ça nous rappelle notre jeunesse, hein, c'est tout. D'accord, donc c'est une œuvre généreuse. Ah oulala, oh là, oui. Gratos, tout ce que vous voulez. C'est... Et c'est avec plaisir on parce qu'on rencontre des copains voilà. Depuis 20 ans. Moi j'ai mis des gants, il y a quelque chose, il n'y a rien. Ah oui? Une excellente journée. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Et puis je suis dans la nature, je ne demande plus rien à la vie. Je suis entourée de gens que j'apprécie. Il y a une super bonne ambiance. Il y a un symbolisme dans ce que nous faisons. Et voilà, ma mission est accomplie aujourd'hui. Au niveau du symbole, Ève, qu'est-ce que ça peut signifier peut-être? C'est la naissance de la vie, l'arbre. L'arbre de vie. Ça peut être... Il y a plein de symbolisme dans un arbre. C'est la vie, c'est la beauté, c'est... Il y a plein de ramifications que tu peux interpréter d'une multitude de fois, quoi. Plusieurs facettes. Merci, Ève. Je vous en... La sève va pouvoir reprendre son cours au printemps. Fais référence à Sainte Catherine. Nous sommes la Sainte Catherine. Tout bois prend racine. Ah oui, c'est allez, ce vas-y, dit. Dis-le. Dis-le, Maïté. Alors, Sainte Catherine, tout bois fait racine. Il était curé, Marco. Il n'y a pas le temps, cette fève. Non, au contraire, c'est bien, c'est bien. Au contraire, c'est très bien, c'est sympathique. Je m'aime. Marco, tu t'aimes? Oui. Oui, Philippe, alors aujourd'hui c'est le 25-11-2001 et on est à la Sainte-Victoire et on arrive en fin de matinée doucement. Comment ça s'est passé cette matinée? Eh bien écoutez, je trouve que cette matinée s'est très bien passée. D'abord, première chose, on a eu un temps extraordinaire. Il pleut sur toute la France et ici c'est merveilleux, il fait beau. En plus, il n'y a pas de mistral parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de mistral, c'est très glacial. Bon, d'autre part, les gens sont sympathiques, très motivés, ça se passe bien. Donc moi, mon rôle était de surveiller un peu, d'encadrer un peu les gens. Je leur ai expliqué au début comment ça se passait, donc bon, maintenant les gens travaillent tout seuls correctement. Donc je passe de temps en temps pour surveiller, et c'est bien, donc je suis très content. Donc le secteur de plantation avance très bien, là on a couvert plusieurs secteurs. Donc on va déplacer maintenant les gens sur d'autres secteurs, et je pense qu'en fin de matinée, on aura planté nos 1400 arbres, ce qui est très bien. D'accord, et c'est donc organisé par...
C'est organisé par la RPCV, l'association pour le reboisement et la protection du Sangle et de Sainte-Victoire. Donc association aixoise de protection de la nature. D'accord, on va souhaiter une bonne continuation à cette association et puis peut-être à bientôt. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt j'espère. Merci. C'est voilà. Ça. Et Marina. C'est ça. Donc Jean-Pierre, vous êtes le président de l'association. Oui. Alors comment ça se présente cette association et quel est son objectif ? Mais c'est une association qui a été créée en 1986. Donc l'objectif c'est les expérimentations au reboisement, le reboisement, l'entretien et la sensibilisation à tout ce qui touche la forêt méditerranéenne et à tout ce qui touche un peu notre environnement méditerranéen aussi. Donc ça c'est le principal objectif si vous voulez. Après la stratégie c'est organiser chaque année une opération de reboisement, une grande opération de reboisement. Donc depuis 16 ans, nous avons planté 100 000 arbres, à peu près. Nous les entretenons une fois par mois, une journée d'entretien, chaque mois. D'accord ? En dehors de ça, nous organisons dans le cadre de la sensibilisation une fête de la nature chaque année, au mois de juin, où nous recevons 600 enfants au pied du massif, avec une trentaine d'animations, hein, gratuitement donc, pour les enfants d'Aix et de la région aixoise. D'accord ? En dehors de ça, nous avons mis sur pied des supports pédagogiques. Supports pédagogiques, c'est-à-dire un livre sur Sainte-Victoire, un CD-ROM sur Sainte-Victoire, un livre sur les formations aux métiers de l'environnement en région PACA. Nous travaillons là, nous allons éditer très bientôt, d'ici la fin de l'année, là, un livre à destination des enfants de 8 ans sur les plantes aromatiques méditerranéennes. Et nous travaillons sur les animaux mal aimés, qui sortira l'année prochaine, dans le même ordre d'idées. Nous avons créé un jeu de sensibilisation à l'environnement avec quiz et jeux de loi, d'accord ? Et nous allons remettre sur pied pour l'année prochaine, nous allons créer un site, donc nous sommes en train de travailler sur le site en anglais, hein, bon, à destination des États-Unis. Nous avons le site déjà en français. Et normalement, l'année prochaine, nous allons sortir, nous allons renouveler notre livre sur les formations au métier de l'environnement, mais ce sera certainement sur un site, on le remettra sur site, avec... l'appui de la DIREN, du ministère de l'Environnement. Voilà. Et notre grand projet qui reste qui est le plus grand quoi, et qui reste à mettre sur pied, c'est la création d'un arboretum méditerranéen. Ça fait 10 ans que nous recherchons un terrain pour faire cet arboretum où toutes les espèces méditerranéennes seraient présentées au public. Ça a un but pédagogique, d'accord ? Ça a un but de sensibilisation aussi, et un but aussi de loisirs. Hein. Et nous cherchons évidemment ce terrain, une dizaine d'hectares autour de Sainte-Victoire. Bon, nous avons eu du mal à le trouver. Nous avons créé une réserve financière pour satisfaire cet objectif. Et nous espérons pouvoir le réaliser assez rapidement. D'accord, merci beaucoup. Alors nous recevons des subventions, quelques subventions du Conseil Général, quelques subventions du Conseil Régional. Et puis nous avons des partenaires aussi. Qui nous aident un petit peu et il y a énormément de bénévoles qui font tout le travail. Donc il faut penser que il faut commander tout ce matériel, il faut voir plusieurs pépiniéristes, faire des propositions. Et puis ensuite les bénévoles qui viennent tout préparer parce que nous n'avons pas d'autres moyens, disons, que par les bénévoles. Et la citerne, bon là nous sommes sur le domaine de la Légion étrangère. Donc la citerne nous est prêtée gracieusement par la Légion étrangère. D'accord. Et ensuite, il va y avoir un petit apéritif là-bas dans le parc de la Légion, un peu plus loin de l'autre côté. Et puis je pense que tous les bénévoles vont être remerciés pour leur gentillesse d'être venus nous donner un coup de main. D'accord. Merci Marina pour voilà, cette belle œuvre. Et puis, de cette belle journée, on a eu la clémence temps et c'est une très belle journée. Voilà, je sais que les bénévoles aiment beaucoup participer à cette grande journée. Et il y a beaucoup d'autres associations qui sont là. Vous avez les Amis de la Nature au niveau de la région, vous avez l'Association des Excursionnistes Provençaux, il y a certaines personnes de ST Microelectronics, il y a... Gaz de France, il y a la Banque Populaire, toutes ces personnes qui nous aident un petit peu financièrement. Et puis tous les bénévoles, par les amis, les uns, les autres, la publicité un peu dans les journaux. Et voilà, mais je sais que les gens aiment toujours attendre avec impatience cette journée de reboisement. Ils ont raison. Oh oui, c'est vraiment très 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 agréable. Et ensuite, on est bien récompensé parce que vous avez qu'à voir, là, ça c'est le reboisement donc, de l'année dernière, il y a 2 ans.
Et les frais d'affaires sont bien ressortis et vous voyez que c'est vraiment très 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 utile de refaire ce reboisement. De feuillus, bien spécifié que ce sont des feuillus et ce ne sont pas des pins et des résineux qui sont assez, qui sont très 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 sensibles aux incendies. Et donc là, des feuillus. Et là, que des feuillus, oui. Il y a des frênes à fleurs, il y a des sorbiers, il y a des alisiers, il y a des râpes de Montpellier. Merci beaucoup, voilà. Marina. Ben, avec plaisir, au revoir. Oh, viens ici un peu. Oh, enfonce le pieu, toi. Non, mais tu sais, il peut me dire plein de choses. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et t'en as pas marre? Non, je crois pas. Hein. Alors, on n'a jamais marre de se voir. Ça nous regaillardit. C'est de l'amour réserve, ça, c'est un acte. Sans limitation de consommation. L'amour, ça va, Marco. C'est tranquille. Ça va, Philippe. Allez, en France. En 30 ans, hein, tu vois. Hein. Ah, et le fils. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est un Ils sont pas venus jusque-là, les gens sont arrêtés en route. Allez, on va petit à petit.